L'actrice mexicaine d'origine kényane, Lupita Nyong'o, et le chanteur irlandais Bono, leader du groupe U2, ont rendu hommage à Lydia Habila et Rejoice Moussa, deux des 276 filles enlevées par Boko Haram à Chibok il y a 2 ans. Les deux stars se sont rassemblées pour l'occasion autour d'un show intitulé Éclipsé pour rappeler au monde que 747 jours après leur kidnapping, les filles étaient toujours entre les mains de Boko Haram. Nous nous souvenons des élèves de l'extrême nord du Nigeria qui ont été kidnappés par Boko Haram en 2014 et qui sont toujours portés disparus. Le sort a voulu que nous puissions penser particulièrement à deux filles, Lydia Habila et Rejoice Moussa, enlevées dans leur lycée à Chibok au nord du Nigeria il y a 747 jours. Depuis leur enlèvement, 57 filles ont pu s'échapper des mains de leurs ravisseurs. Amnesty International estime que près de 2000 jeunes filles et garçons ont été kidnappés par la secte islamiste depuis 2 ans.